Salut tout le monde, c'est Fondrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Empyrion. Alors, la dernière fois, on avait, si je me trompe pas, on avait construit 2-3 petites choses. On avait un petit peu exploré vite fait les choses pour essayer de trouver un moyen pour quitter cette planète et aller dans l'espace. Et donc moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai cherché un peu quelques informations. Et en gros, ça va être très difficile, de sortir de dans l'espace. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai trouvé un vaisseau qui a été construit. Et il me permet en gros de rentrer dans le vaisseau et puis de le piloter pour par la suite aller près des astéroïdes, des conneries genre, pour récupérer des ressources. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense qu'on va essayer de le construire. Comme ça, on aura un petit vaisseau qui me permettrait d'aller dans l'espace. Alors, c'est un petit vaisseau. Alors bon, moi je l'ai téléchargé sur le workshop, pardon. Et j'aurais très bien pu le faire un moi-même. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, autant prendre celui-ci. Il a l'air d'être vraiment classe. Et moi je trouve qu'il est assez sympa. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner donc à notre base qui se trouve de ce côté, si je ne me trompe pas, voilà. Ouais, un peu plus de ce côté. Et on va aller et essayer de le construire si on arrive. On va juste en s'arrêtant, on va juste récupérer quelques ressources de temps en temps. Tac, tac, tac. Tac. J'avais dit dans le dernier épisode que je ferais que je chercherais des ressources après l'enregistrement, mais j'ai pas trop eu le temps. Donc on va le faire là quand on sur le chemin directement. De toute façon, ça ira assez vite. Normalement. La dernière fois, il me l'avait fait très vite. Tac. Non, c'est pas ça. Je vais le récupérer. Voilà. Voilà. Tac. J'en veux pas non plus beaucoup, beaucoup. Mais ça... Cela me suffit. Tac. Alors je sais pas trop ce qu'il me faut comme ressources. Qu'est-ce qu'il me reste encore à la base. Donc on verra bien. Par contre, je trouve que le système de miner comme ça, ça va un petit peu trop vite. Moi je pensais que c'est un système où on pose et ça prend un certain temps pour récupérer les ressources. Mais pour moi ça va un petit peu trop vite. C'est de ce côté. Voilà. Alors du cuivre, on va le récupérer. Tac, tac, tac. Il est là. Ah non, c'est du cuivre encore que j'ai pris. Non, mais je me suis gouré. Alors, voilà, je suis gouré, désolé. Tac, et voilà, rebelote, il m'a tout éteint. Alors, puissance, éclairage, tac, élément. Est-ce que les gyroscopes ont été éteints? Ça me paraît bizarre quand même qu'il se met à s'éteindre tout seul. Les gyroscopes, ouais, ont été éteints. Bizarre quand même. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, tac. J'ai juste encore peut-être les propulseurs et c'est bon.
Non, il y a un autre problème. Le vaisseau ne décolle plus. LOL. Je le sais pourquoi. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà. Donc si jamais je peux... Voilà. Si jamais je peux trouver un minerai... Donc du fer, j'en ai déjà récupéré. Mais si je peux retrouver... des ressources d'énergie, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça serait bien qu'on en récupère aussi. Voilà, on change de vue. Ok, donc on va essayer de construire le petit vaisseau. Ça me prend à peu près 20 minutes de le construire. Alors, côté minerai. Ouais, j'ai peut-être exagéré un petit peu le minerai. Hein. Je vais te mettre un petit peu de ça. Ah oui, c'est vrai, je peux pas supprimer comme ça. Lol, il faut que je que je récupère tous les... ça c'est ballot, du cuivre. Il est où le fer? Le fer, il est là. Tac, tac. Voilà. J'en mets un peu de ça. Et encore, non, je vais juste... je vais juste en garder juste un, voilà. Et c'était quoi? Du cuivre. Et on va refaire du cuivre. Tac, ça je peux faire. Du cuivre. Je sais pas trop combien je peux en faire avec un sac comme ça, mais on va le laisser. Là, des petits blocs. Les petits blocs que je récupère. Voilà. On va... Vu que je peux avoir beaucoup de ressources maintenant, on va te prendre peut-être toi et te stocker alors là. Comme ça, on a un stockage de ressources pour la prochaine fois. Si jamais je recherche, bien sûr. Tac. Ouais, et en fait ça je pensais que c'était un système en fait qui nous le met sur la ressource, hein, et qu'on met du carburant pour le faire fonctionner. Le truc c'est qu'il met tout de suite des ressources d'un coup. Alors c'est bizarre, mais c'est quand même très bien. Alors on va donc te récupérer quelques ressources. Alors j'ai besoin de ça. Finalement du kiff, j'en ai vu pas mal, et j'ai encore du cobalt, du silicium. Ah bah c'est cool, j'ai encore pas mal de ressources. Donc on va essayer de construire donc ce vaisseau là. Tac. Alors il me faut quoi? Il me faut du cobalt. Bon, le cobalt il m'en faut juste 3. Voilà. Du cuivre il m'en faut 200. Tac. Tac. Voilà. Du lingot de fer. Est-ce qu'il me faut du silicium? Ah oui, du silicium aussi. Ouais, mais là, il m'en demande un peu beaucoup. Ça, c'est bon. Du lingot de fer. Bah, du lingot de fer. Paf. De toute façon, j'en ai tellement maintenant que ça me fait plus rien. Et encore du cobalt. Et voilà, c'est bon. On va le construire, c'est parti.
Voilà, donc à peu près 23 minutes pour le construire. Bien sûr, pour ça, je ne vais pas... comment dire? Je vais pas enregistrer le temps là, parce que sinon ça prendrait trop longtemps. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je fais une petite coupure. Et pendant que les 23 minutes passent, moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des ressources que j'aurai besoin. Donc je vais essayer de récupérer un petit peu de tout. Et je vous reprendrai au moment où le vaisseau sera prêt et opérationnel, donc pour aller dans l'espace. Voilà. Donc à tout de suite. Et re tout le monde. Alors, donc j'ai cherché énormément de ressources. C'était vraiment très rapide. Et franchement, je me demande si l'automineur marche vraiment ou c'est un bug. Parce que franchement, gagner aussi vite des ressources, moi ça me paraît bizarre quand même, hein. Donc franchement, je sais pas du tout si c'est un bug ou quoi. Mais bon, ça m'inquiète un peu quand même. Donc j'ai quand même fait donc des lingots, des conneries du genre. Et notre petit vaisseau de transport est terminé. Donc on va non, ça doit être dans usine. Non. Bah mince alors. Ah voilà, il est terminé. Tac. On va le générer donc. Alors. Tac. Boum. Voilà, donc voici le petit vaisseau qui me permettra d'aller dans l'espace et normalement de rester dedans et de miner tranquillement. Alors certes, j'aurais très bien pu faire mon vaisseau moi-même. Mais autant le construire, de toute façon je trouve qu'il est classe, tac. Il est facilement pilotable. Il faut juste mettre donc du carburant et des trucs du genre pour le faire fonctionner. Je crois que j'ai pas. Ouais, j'avais pas la lampe. Alors, donc on va récupérer quelques. Est-ce qu'il a pu m'en faire un petit peu? Non. Est-ce qu'il m'en reste 3? Tac. Alors, que je sache où il faut le mettre. D'accord. Il n'a pas l'air d'être ici. Le générateur d'énergie, tout ça, il a été stocké où? Oui. Il me dit pas où ça a été stocké. Allez. Jette pas qu'on va l'éteindre. Ça sera plus facile, je pense, pour monter dessus. Bah alors. Bon, celui-là, j'arrive pas, mais celui-là, j'arrivais très bien avant. Ouais. Lol. Lol. Bon alors, tu... Ah, quand même. Alors, l'oxygène, le constructeur, tous les trucs de stockage. Ah bah merde alors, il a été stocké où le système de... gérer. Sinon je le fais comme ça directement. C'est pas un problème. Voilà, après faudra que je mette donc l'oxygène et tout ça. Alors, on va changer de vue. Donc ça donne à peu près ça. On va peut-être diminuer un peu plus la vue. Voilà. Tac, voilà. Donc je vais chercher donc tout ce qui va être oxygène.
L'oxygène, alors, j'avais des bouteilles ici. En espérant bien sûr que ça suffit. Ça, j'en ai encore 15 sur moi, ça c'est bon. Donc l'oxygène. J'aurais besoin de nourriture pour manger là-haut. Voilà. Encore d'autres carburants. Allez quoi. Ok. Donc ça. Gérer. Ça me donne pas beaucoup. Ouais, ça me donne pas beaucoup de trucs. Ok. L'oxygène, il est éteint, ça c'est bon. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de l'activer. De toute façon. Ok. Ensuite, des munitions 15 mm. Pour ça, je vais piquer ceux qui sont... Non. Dans le... Faut que je prends ceux-là. Ouais, ben, je vais devoir t'enlever. Ça va me prendre du temps. Tac, et toi tu veux pas. Alors, toi c'est quoi? C'est du cobalt. Cuivre. Minerai de cobalt, il est où? Il est là, tac. Voilà. Ok, alors. 15 mm. Tac. Il me faut des grands packs, voilà. Alors je récupère quand même des munitions parce que on ne sait jamais si j'ai besoin de me défendre dans le dans l'espace. Alors les munitions. Après, il a mis énormément de stockage, mais j'ai pas besoin d'autant. Donc, on va peut-être pouvoir en enlever. Tac. Oui, de la nourriture. Tac. Voilà, ça c'est bon. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est peut-être l'oxygène qu'il faudrait que j'en récupère. Alors je sais plus, est-ce que il me fait les bouteilles tout seul ou pas? Non, je crois que les bouteilles, ça me le fait là où je les ai posées. Alors je sais plus maintenant où je les ai posées. Parce que je suis allé vachement loin quand même. T'es où? Ouais, ils sont là. Ah, faudra que j'aille ici sûrement. Côté carburant. Ok. Ouais, bah faut que j'attends parce qu'il est en train de me le refaire. Faudrait que j'attende. Bon, de toute façon. Alors. Go. Va de. Dans. Pas pratique, hein, ces trucs-là. Il a pas un truc qui me permet d'ouvrir. Hein. Non. Allez. Ça, je vais devoir modifier ce truc-là. Ouais, je vais devoir le modifier, je pense. Voilà. Tac, carburant donc. Munition, pardon.
Je vais donc te couper ça. Bon, normalement, j'ai pas à fermer parce que il y a déjà du truc, mais on sait jamais. Par contre, il a du mal à tourner. Mais bon, après, c'est tout à fait normal, hein. Il est un petit peu plus gros que les autres. Alors, voilà, je dois aller au module machin. C'est là-bas où j'ai stocké donc les trucs que je dois récupérer. Tout ce qui est oxygène, bouteille et tout ça. Normalement, j'avais laissé du carburant. Donc normalement, il a dû me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles. Mais je dis normalement parce que je me rappelle plus très bien. Donc on va voir. Par contre, ça serait cool que vous me disiez en commentaire si c'est normal que je peux récupérer autant de ressources aussi rapidement. Parce que moi ça me plaît pas trop en fait si c'est un bug. Si c'est un bug et que je peux avoir autant de ressources facilement, ça m'embête un petit peu. Bon, maintenant c'est un peu trop tard parce que je les ai déjà utilisées les ressources. Mais pour le prochain épisode, enfin pour la prochaine saison, parce qu'il y aura sûrement une autre saison sur Empyrion, ça sera sûrement un petit peu plus différent. Et je serai au moins pour le bug. Alors, c'est de ce côté, je crois. Ouais, c'est de ce côté. C'est parti. Alors, il doit être dans les coins ici, près de l'eau. Ici, voilà. Tac. Alors, ça, c'était juste des bouteilles. Et ça, ok, ça me fait pas donc l'eau. Ah non, je crois que c'était ça qu'il me fallait. Ouais, je crois que c'était les bouteilles là qu'il me fallait pour que par la suite. Tac. Hop. Vraiment. Alors, mine abandonnée. Go. En fait, non, la mine abandonnée, c'est juste ma base. Et donc, normalement, j'ai pas d'autres abandonnées. D'autres mines abandonnées. J'avais dit une erreur dans le dernier épisode. Comme quoi, j'avais retrouvé une autre mine abandonnée. Mais en fait, non, c'est juste que c'est la mienne. Voilà. Je suis gouré sur le truc. Et donc, on va essayer de récupérer d'autres ressources. Mais je pense que je vais pas rechercher d'autres sources. On va quand même essayer d'aller dans l'espace, essayer de miner dans l'espace pour voir si j'arrive plus ou moins à miner. Et si jamais j'arrive à miner, à ce moment-là, je pense qu'on arrêtera cet épisode-là. Et moi, j'attendrai vos commentaires pour savoir si c'est normal ou quoi que je peux avoir autant de ressources très facilement. Alors. Ok. Tac. Hop. Non, change de vue. Voilà. Alors, go. Donc les potions, enfin les bouteilles d'oxygène, normalement, c'est là-dedans. Tac, et. Alors, je crois, hein, j'en suis. Non, c'est pas ici. Non, c'est là-dedans. Alors, c'est embêtant parce qu'il est en train de me faire ça. Donc, c'est un petit peu embêtant.
objets, je crois. Les voilà. Voilà. J'en fais autant que je peux, de toute façon. Il m'en faudra beaucoup. Voilà, alors. Que je réfléchis à un truc. Que je réfléchis à un truc. Ouais. Attends, déjà toi. T'es obligé de rester allumé. Parce que j'ai des trucs dans le frigo. Ici, franchement, il aurait pu me mettre autre chose que ces petites lampes là. Parce que ça éclaire rien du tout. Donc toi, on va te l'enlever. Tac. Voilà. On va voir si on peut pas te mettre autre chose qui est un petit peu plus puissant que ces lampes là, parce que on voit rien du tout. Alors. Alors, donc déjà, petit vaisseau. Élément. Alors. J'ai rien d'autre. F1. On va voir dans petit vaisseau. Éclairage. Tac, voilà. C'est peut-être en fait le même éclairage que j'ai enlevé. Ouais, c'est le même éclairage que j'ai enlevé. On va voir si je peux pas en avoir d'autres. Est-ce que j'ai d'autres Je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas. Je pense que j'ai que ça comme, comme petite lampe. C'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. On va... Je vais essayer peut-être de récupérer ces, peut-être, ces lampes-là. Je sais pas, c'est peut-être les mêmes, alors. Si je peux essayer de les récupérer. De toute façon, ici, il sert à rien. Hein. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes, mais... je peux peut-être les mettre sur le vaisseau. Ouais, ça a l'air d'être possible aussi. Donc on va faire ça. Alors. En fait, ça éclaire rien du tout, ce truc-là. C'est nul. Oh oui que c'est nul. D'accord, ça c'est vraiment des trucs à la con. Qui sert vraiment à rien. Alors on te les vire. On te répare. Alors peut-être que celui-ci éclairera. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. J'ai donc d'autres conteneurs, des conneries du genre. Donc ça, c'est vraiment très bien. J'ai besoin de manger. Donc, je vais aller manger. Je vais manger ça et... Alors... Ça. Voilà. Ok. J'ai des petits ronds. Je sais pas trop si je peux faire quelque chose. Faudra que je regarde ça. Ensuite, toi t'en es où? Toujours là-dedans. C'est vraiment dommage que je peux pas les supprimer, ces trucs-là. Donc là il me fait mes potions.
Enfin, mes bouteilles d'oxygène. Donc ça, c'est bon. Et je vais, je pense, refaire une petite coupure pour qu'ils me construisent un maximum de bouteilles. Et je vous reprendrai tout de suite après. Donc, à tout de suite. Et voilà, re tout le monde. Alors, j'ai stocké donc les petites bouteilles d'oxygène. Et j'ai rempli notre bouteille, notre stockage d'oxygène du vaisseau. Voilà. Donc, pour ça, on va pouvoir commencer, je pense, à voir un petit peu plus loin. Alors, déjà, toi, il faut que t'arrêtes. Voilà. Tu vas t'arrêter. Tac, j'ai encore peut-être des bouteilles quelque part. Non, je crois que c'est bon. Des lampes. Bon, les lampes, c'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est bon. J'ai assez de. Je dois avoir assez de carburant. Tac. On va maintenant mettre le plein de carburant. Et on va pouvoir, je pense, commencer à y aller. Voilà. Alors comme j'ai dit, ça va être juste un test, hein. On va aller dans l'espace. On va se mettre plus ou moins à côté, je dirais, de d'un astéroïde. Et on essaiera de le miner. En pensant bien sûr, si on arrive. Ce qui peut ne pas être tout à fait sûr. Alors, c'est parti. Alors, tac. Oxygène. C'est parti. On change de vue et en avant. C'est parti. Alors, on va tester. Si jamais ça marche, on va peut-être pouvoir aller par la suite sur la Lune. On va tester pour aller sur la Lune et on verra bien si, si ça marche. Donc c'est parti. Donc là, notre première mission, ça va être surtout trouver un astéroïde où je vais pouvoir le miner. Et ça va être déjà pas mal si, si j'arrive. Parce que je sais que on a... ça peut être embêtant. Alors déjà, voilà. Ah! Tiens. Il y a quelque chose ici, mais je sais pas ce que c'est. On va tester. J'aurais peut-être dû faire une sauvegarde avant. Mais bon, maintenant je suis trop prêt pour le faire, donc... On y va. Ouais, c'est une zone... Station Thermica. Pour l'instant, ils attaquent pas. Allez, je prends le risque de faire une petite sauvegarde. Tac, et en avant, on va voir. Alors, station thermique, hein, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, ça attaque pas. Drone spatial, ah. Ils ont beaucoup de... On va se barrer parce que ça devient un petit peu chaud. On va aller en avant. On va partir, c'est pas un problème. Si jamais... Faut juste qu'il vienne pas nous embêter quand on... Quand on mine ou une connerie du genre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver donc un astéroïde où il y a des ressources dessus. Je crois que j'en ai repéré un. Non, c'était une planète. Alors, donc normalement, les astéroïdes, on les voit avec différentes couleurs. Avec différentes couleurs dessus. C'est quoi ça? Ça peut être... Non, sûrement de la terre, ça.
Drone spatial plasma. D'accord, il y a du monde dans le... dans les astéroïdes. D'accord. On va essayer de se décaler, puis d'aller un petit peu plus loin. Après, si elle vient nous embêter, on devrait être bon pour le tuer, mais on... voilà. On sait jamais, je préfère ne pas trop l'embêter pour l'instant. Vu que mon vaisseau n'est pas vraiment fait pour attaquer, mais plus pour explorer l'espace et essayer de miner quelque chose. Donc là, je fais un petit peu le tour de la planète pour essayer de trouver des ressources dans les astéroïdes. Et je sais que normalement il y en a dans les astéroïdes là, parce que quand on avait essayé avec le chasseur, on avait essayé et il y avait un des astéroïdes qui avait un peu de ressources sur lui. Donc normalement on devrait quand même pouvoir trouver un peu de ressources. Sinon je serais obligé d'aller sur la Lune, mais la Lune ça me dit pas pour l'instant. J'ai cru voir un truc de ressources dans les coins, mais c'est peut-être moi qui ai mal vu. Ouais, non, c'est moi qui ai mal vu. Après, je pense que j'ai un détecteur de minerais. Enfin, qui me dit où se trouvent les minerais, je pense. Ça, je pense que c'est de la... Ah! C'est quoi ça? Ah, voilà! Ça, c'est des ressources que je peux récupérer. Et... On dirait une sorte de base. Voilà, c'est des ressources que je peux... que je pourrais peut-être récupérer. Alors, on va se mettre au-dessus. Tac. Changer la vue. Peut-être pas ici. Peut-être pas ici. Ok, je suis peut-être mal positionné pour l'instant. Il faudrait que je sois comme ça. Tac. Non plus. Faut que je bouge avec le jetpack. Le problème, c'est que si je fais pas gaffe et que je sors, ça va pas trop le faire. Ouais. Je suis peut-être mal positionné. Du tout si je suis contre ou quoi. Ah, là je suis contre. Ok. Alors on va tester si je peux miner avec ça. C'est ça, mais parce qu'on est à la base. On va se décaler d'un cran. Tac. Ouais, je pense pas que je peux. Bon, c'est pas grave, sinon je le mine directement. Je le mine directement. Alors. De toute façon, c'était des tests, hein. Tac. Voilà. Foreuse 6, change de vue et go, on attaque.
me récupérer un peu de ressources. Mais ça va être compliqué quand même. Pas d'oxygène. Ça va être très chiant quand même de faire comme ça. Tac, je suis vraiment bien contre. Oh. Je vais devoir faire comme ça. Un petit peu chiant, mais moi je peux en récupérer un petit peu. Pas d'oxygène. Ouais, ça va être très chiant si je dois. Par contre, attendez voir. J'ai la température qui descend à 130, mais je ne meurs pas. Ah, attendez, peut-être que je peux sortir encore de. Ah, si, ouais. Ouais, si je commence à avoir froid. Je tiens un petit peu plus longtemps. Mais j'ai quand même froid. Je tiens quand même un petit peu plus longtemps, mais j'ai quand même par la suite froid. Alors, tac. 63, ok. Ça va être un petit peu chiant par contre si je dois faire à chaque fois ça. Mais la vache, j'ai quand même vachement bien miné le coin. Donc c'est assez cool. Voilà, je peux au moins récupérer quand même quelques ressources. Et c'est déjà pas mal. Après, ce que je peux faire aussi, ce serait un autre vaisseau, peut-être plus pratique pour miner, parce qu'il m'a fait une seule porte, et je pourrais peut-être faire un autre système pour miner un petit peu plus facilement. Voilà, je pense qu'on a vu plus ou moins comment faire. On va voir maintenant si je peux, vu que le terrain est un petit peu plat, on va voir si je peux pas mettre mon outil de minage. Mais j'ai pas l'impression que il peut l'installer sur le truc. Ok. Tac. Ok. Et d'ailleurs, j'avais cru voir que c'était une sorte de base. J'avais vu une sorte d'entrée, je crois. Alors on va tester, on va voir. J'ai eu l'impression que c'était un trou pour entrer dedans, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, au moins, il y a quand même des ressources et je peux au moins maintenant en récupérer un petit peu. Non, je pense pas que. Là, c'est vachement plat. Alors, je crois que c'est de ce côté. Alors, peut-être que là. Ouais, il veut pas.
Il veut pas tourner. Il veut pas tourner. C'est pas grave. C'est pas grave. On va refermer. Tac, tac. Mais au moins j'ai pu récupérer un peu de ressources. C'est déjà pas mal. On va pouvoir retourner. La lune est pas loin. Non, ça c'est pas la lune. Lol. De loin j'ai cru que c'était la lune. Donc ça c'est ma planète. Et donc il y a un autre bâtiment ici, je crois. Alors j'ai du mal un petit peu à me repérer. La lune est là-bas. Donc là je pourrais très bien aller voir la lune. Et c'est dommage que le satellite qu'on avait vu n'est pas là. Ça aurait pu être sympa. Il me le marque pas. Ou alors il me le marque mais de l'autre côté de la planète. Ah, par contre les ressources sont notées sur la map stellaire. Enfin, donc ça c'est déjà bien. Moi ce que je voudrais c'est voir si ça a été marqué pour le satellite ennemi. Parce que maintenant qu'on sait, on pourrait s'amuser à l'attaquer. Avec notre chasseur cette fois-ci. Avec notre chasseur. Mais je crois que c'est dans le coin là-bas qu'il y a le satellite droit devant. Alors je le vois pas. Ouais, je le vois pas, mais j'ai du mal un petit peu à me repérer avec leur map tout bizarre. Est-ce qu'on peut voir comme ça? Ouais, il y a quelque chose ici. Ah, attendez voir. Il y a un système d'AQA ici. Le problème, c'est que je vois pas trop où il est. Leur système d'AQA. J'ai du mal avec leur map qui est un petit peu bizarre. Bon, au moins on sait qu'il y en a un. On va juste continuer tout droit. De toute façon, tac, oxygène, carburant, c'est ok. Donc on va aller tout droit. Par contre sur la mini-map je l'ai plus. C'est un peu dommage. Non. Ouais, normalement il doit être au-dessus de moi. Ou en dessous de moi. Je sais pas où. Ah, c'est peut-être celui-là. On va tester. Normalement, c'est un truc d'AQA, je devrais rien avoir de spécial à m'inquiéter. Par contre, je sais pas trop comment. Est-ce que c'est une base ça ou quoi? Oui, ça doit être une base parce que je peux rentrer dedans. Mais il n'y a pas de bouclier, rien du tout. Il n'y a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier, donc c'est embêtant. Par contre, il y a des choses à récupérer. Donc, pourquoi pas essayer de fouiller parce que comme ça, je peux peut-être avoir une armure qui peut être intéressante. Accès impossible, conteneur, autre faction. Ah, d'accord.
Est-ce que toutes les conteneurs sont comme ça? Système de cargo. Peu chiant pour les vues par contre. Ouais, c'est pas la peine. Et ce à l'extérieur. On va voir juste si là. Je suis devant la porte. Change de vue. Il y a un bouclier. C'est bon. Pas d'oxygène. Je vais quand même mettre le casque. Alors, on va y aller faire un tour. C'est où je peux trouver Ok, il y a de la gravité. Je cherchais la gravité, mais je vois pas trop où ça, où c'est. Mais au moins, je sais que j'ai de la gravité. Ok. Oxygène. Donc ça, tout le coin là, c'est de l'oxygène. Il y a des choses en bas. Mais ouais, tout ça, je peux pas rentrer, c'est dommage. Station de réparation. Voilà, j'ai rien de spécial à... Ah, le voilà, le hangar. D'accord. Ouais, je peux pas, là, c'est une autre faction. Et je peux pas le construire. Par contre, ce que je vous propose, c'est que vu que c'est une autre faction, ça veut dire qu'ils ont un corps. Et normal. Ah là, je peux le faire. Oui, mais non, mais c'est station de réparation ça. Vu que c'est une station et que on voit que elle a pris cher, on va tenter de la récupérer pour nous. Donc il nous faudrait un corps, il nous faudrait déjà trouver le corps de ce vaisseau. Et quand on aura trouvé le corps, on va pouvoir l'attaquer et récupérer. On va pouvoir le récupérer. Mais pour ça, il nous faut trouver le corps, ben, directement. Pour ça, faut sûrement aller vers le haut. Ok. Ah. D'accord. Ok. Là, je peux pas rentrer, on va laisser tomber. Ah, c'est ici qu'il y a du monde. D'accord. Moi, je pensais que c'était abandonné. Donc, c'est pas la peine. On va pas s'amuser à les attaquer si. Génial. S'ils sont là, quoi. Par contre, ça serait bien peut-être de trouver une armure ou un truc comme ça, du genre, qui nous permettrait de se balader. Ça serait cool. Conteneurs ici, je peux pas non plus les ouvrir. Un petit peu embêtant ça quand même. C'est embêtant. Oh, t'as rien de spécial. C'est non, ça je peux couper l'oxygène. Je l'avais pas déjà vu lui? Si.
Ok, donc c'est pas ici. Truc de plantes. Ça va être un magasin de plantes, je pense. Ouais, donc ça m'intéresse pas. Oxygène, oxygène. Ça, je présume que. Ouais, je peux pas ouvrir. Qu'est-ce que tu peux vendre, toi? Ah! Armure moyenne. Ouais, bon. Ça, on a et on a et encore. Et en plus, il est extrêmement cher. Boost, boost, boost. Extrêmement cher aussi, des lingots. Auto. Ouais, dommage. C'est vraiment dommage. C'est embêtant par contre. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va retourner. Ah, je peux encore aller en haut. C'est bizarre, ils ont pas le corps ici. Je peux encore monter? Ouais. Le corps peut-être être dans les coins ici alors. Restrict. Ah. Ok. Je visite, hein, je fais que passer. Tout ça, c'est des trucs de stockage et tout qui peut être intéressant de fouiller, mais. Corps, est-ce que ça peut être il peut être planqué dans les coins ici peut-être, mais ça va être dur de trouver ça. Ah, ça peut-être que je peux l'ouvrir. Ouais, non, même pas. Alors attends, t'as encore d'autres choses toi. Armure moyenne, lunettes, des boosts de jet. Pack, mobilité, isolation. Ouais. Mais bon, ça me sert pas à grand chose vu que j'ai froid quand même par la suite. Moteur ordinateur, ouais, ça me sert à rien en fait. Je me demande même si on a vraiment quelque chose pour ça. On va repartir. Le problème maintenant, c'est de retrouver le chemin. Combien de portes là-dedans? Je suis un peu perdu avec ces conneries. D'accord. Le vaisseau, il est où? Il est là-bas. Faudrait que je remonte alors. Ou que je descende. Voilà. Et par contre, le corps, pas trouvé du tout. Le corps peut être dans les coins ici. Mais bon. Ça va être chaud quand même. Il y a plein de conteneurs et tout ça, je suis sûr qu'il doit y avoir des bons trucs dedans. Mais si je le veux, il faudrait que je m'amuse à attaquer. Bon, là ça va être un petit peu chiant parce que faut que j'arrive à rentrer dans le vaisseau. Pas facile. Ok. Ok. Ce qui est embêtant, c'est que les portes là ne sont pas du tout. Comment dire? Le corps, il peut très bien être là-dedans.
Mais je crois que pour ça, faudrait que j'attaque. Cargo, machin, ça peut, il peut très bien être là-dedans. On va se mettre ici. Je vais fermer les portes. Si j'arrive à attaquer le corps. Je sais pas où ça va. Donc on va refaire juste ça, tac. Je crois que ça part en dessous ça. Donc ça me sert à rien. C'était plutôt pour déplacer sur moi des caisses et conneries du genre. Ouais, donc c'est mort. J'aurais voulu trouver le corps quand même. Et puis pouvoir fouiller vraiment toute la zone. Le problème, c'est comment trouver le corps. En plus, il y a des tourelles, je crois. Ou ça, c'est peut-être pas une tourelle. C'est où ça? Si, ça, je crois que j'avais déjà visité. Je suis pas totalement sûr, mais je crois l'avoir visité. C'est pas le corps, ça là? Oh, je vois pas bien si c'est le corps. Mais bon, je pense pas qu'ils ont mis le corps ici. Non, je pense pas qu'ils ont mis le corps ici. Dommage. Ici, c'est quoi? Ouais, il y a peut-être encore des coins que j'ai pas tout à fait visités. Donc faudra y retourner, je pense. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est les magasins. Et ça, c'est les hangars avec bouclier. Ok, bon, c'est pas grave. On va retourner chez nous. C'est parti. Et au moins, j'ai quand même pu récupérer quelques ressources. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, on va se mettre ici, au cas où s'il y a des forteresses dans les coins. Urgent, j'ai besoin de me nourrir. Tac. Continue. Alors, première chose à faire. C'est de savoir où est ma base. Ah oui, ça c'est le machin de ma première base en gros, hein. Ok, et donc ma base à moi est là-bas. Voilà. Je pense que je devrais avoir assez le temps d'aller à ma base et me nourrir. Et je pense que par la suite, on va réparer sûrement notre chasseur. Et on va repartir dans le. On va repartir de nouveau dans l'espace. Et puis on va essayer d'attaquer peut-être le bâtiment qu'on avait trouvé. Si bien sûr, je le retrouve. Cette forteresse-là a été faite. Donc ça, c'est bon. Par contre, ouais, je crois que il n'existe pas des boucliers, des armures pour le froid. Je pense que dans tous les cas, j'aurai froid. Mais pour ça, faut essayer de se dépêcher en fait d'aller dans la base ennemie
pour ne plus avoir froid. Je pense que ça va être un système comme ça. Comme ça nous empêche en fait de... Comment dire? Ça nous empêche de détruire le corps ennemi sous peine d'avoir froid. Donc ça peut être un truc comme ça. Alors, tac. Mince. Je veux faire ça. Puissance oxygène. Tac. On va couper l'oxygène. On coupe l'oxygène parce que ça serait con de l'utiliser. Et on va se nourrir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme nourriture? Des encas, machin. Je vais manger ça. Alors, tac. Donc, pour ça, minerai de sodium. Je sais pas du tout si je peux les faire ici. Donc, ça, tac. Tac. Alors, sodium. Sodium, si c'est ça. Voilà. Ok, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain épisode, je pense qu'on va réparer notre chasseur et partir à l'exploration dans l'espace. Et si jamais on trouve rien, on reprend peut-être notre vaisseau de comment on pourrait appeler ça? Pour miner, ouais, on va l'appeler comme ça. On va prendre donc notre vaisseau pour miner et on minera un petit peu les astéroïdes qui se trouvent un petit peu autour de la planète. Et si jamais on trouve pas grand-chose, on testera pour aller par la suite sur la Lune en espérant de trouver des ressources. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer cet épisode. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!